content. Il y a 17 000 personnes qui sont sur le live, presque 18 000, je ne sais plus. Donc, bien évidemment, il est super content. Mais encore une fois, ça n'est que... je vais pas dire que c'est un leurre. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, ça a été la même chose. Moi, j'ai voté à Cellino, c'est la dernière présidentielle, enfin, celle d'avant, d'ailleurs. Il avait fait je sais plus, 2-3%, un truc comme ça. Et pourtant, à cette époque-là, on avait l'impression qu'il y avait YouTube, parce qu'il y avait tout ça. Il y avait une sorte d'émission qui te donnait l'impression que... en fait, on était légion, et c'était pas vrai. À la fin, ça a fait 1% ou 2%. Là, tu vois, quand on a plein, en fait, il y en a un qui a des problèmes d'érection, justement, tu vois, ça allait bien en érection. Ouais, putain, ça y est, c'est en train d'arriver, machin, mais ça fait jamais que 18 000 personnes sur 67 millions d'habitants. Et là, c'est un défaut de prisme qu'on a. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est puissant, on pense qu'on est nombreux, alors qu'en fait, on est complètement une minorité. Quand tu vas faire l'expérience, moi je le fais. Hein. Bon, en général, ça se passe bien. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai des attributs qui font que même si les gens, ça les emmerde, tu vois, ils disent pas, ouais, va te faire reculer, parce qu'ils ont peur de prendre une claque. Mais... va simplement gentiment demander aux gens comme ça, mais il faut le faire de manière aléatoire, hein. C'est là que c'est très intéressant, parce que si tu te déplaces par exemple à la fête de Jeanne d'Arc avec que des gens du rassemblement que tu vas leur dire qu'est-ce que tu penses des Arabes, bon bah j'ai envie de dire ta réponse bien évidemment elle est déjà ta question est déjà orientée, et donc la réponse de par l'environnement sera complètement orientée. C'est pour ça que je te dis, il faut le faire de manière aléatoire. Marche dans la rue, tu vas voir des gens et tu leur dis, qu'est-ce que tu penses du Brexit? Est-ce que tu penses qu'il faut sortir? Est-ce que tu penses qu'il faut sortir de l'Europe? Et même avant ça, j'ai même envie de te dire, tu vas leur poser une autre question qui est beaucoup plus simple. Le mec, tu lui dis, tu comptes voter à droite? Enfin, tu comptes voter RN ou tu comptes voter Front Populaire? Une fois que le mec t'a donné la réponse, tu lui dis donne-moi un exemple du programme qui t'a été présenté. 98% des gens n'ont même pas lu le programme des partis politiques pour lesquels ils vont aller voter. Ça n'est que de l'idéologie. Extrême droite, fasciste. Extrême gauche, le bien. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est malheureux. Donc en réalité, quand on pense qu'il y a énormément de gens qui sont pour le Frexit, non, pas du tout. Il y a énormément de Français qui refusent le Frexit parce qu'on leur a vendu l'euro, parce que l'euro pour eux c'est la stabilité, alors qu'ils n'ont même pas compris que l'euro c'est le remplaçant du Deutsche Mark, que le Deutsche Mark à l'époque du franc c'était quasiment 4 Deutsche Mark, enfin 1 Deutsche Mark pour 4 francs. Alors, donc quand un Allemand venait en vacances en France, l'autre il avait l'impression qu'il était au Qatar ou en Arabie Saoudite, l'autre il était là, mettez-moi le magasin s'il vous plaît. Il en avait strictement rien à foutre, il passait des vacances de roi. Et bien évidemment que les Allemands n'ont jamais sacrifié leur monnaie qui était hyper puissante pour le franc. Non, en fait, on a demandé à l'intégralité des pays de s'aligner sur le Deutsche Mark. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'était des économies qui n'étaient pas taillées pour avoir la puissance du Deutsche Mark. Donc ça ne fonctionne pas, effectivement. Mais tu te rendras compte que beaucoup de gens n'ont même pas conscience de ça. Les mecs qui sont là, ils disent, non, c'est l'euro. Ah, et puis, l'être humain, je ne cesse de le dire, mais l'être humain est comme l'électricité. Il choisira toujours le chemin le plus facile. Quand avant, tu devais aller en Belgique, tu devais te taper des fois 1-2 heures de queue à la douane, hein, à la police des frontières, qui contrôlait ce que tu allais faire, ce que tu revenais, machin et compagnie, et aujourd'hui tu passes directement sans rien. Donc en fait, tu as même des gens, et les dire. Le gars, il est là, tu te dis, ouais, mais moi, quand je vais faire fuite en Hollande, je ne vais pas 4 heures à me faire dépouiller ou à me faire fouiller par la douane. Donc j'ai moins de chances de me faire prendre avec.
avec mon suite au retour, même si le risque existe toujours quand même un petit peu parce que tu as la volante. Et donc, c'est toujours de la jouissance et du plaisir. C'est toujours la même chose. C'est, regarde, on veut aller à tel endroit, on y va. Aujourd'hui, tu vas dans un avion, tu dis, ouais, je veux prendre un avion pour Reykjavik, en Islande, là-bas. Et ben, tu montes dans l'avion, t'as pas de, on te demande pas d'avoir un visa pour aller là-bas. T'as simplement ton passeport européen. Et c'est ça, d'ailleurs, toute l'arnaque, elle a été là, ça a été en fait de dire, non mais vous inquiétez pas, ça va vous faciliter la vie. Et après ça, on a dit, et en plus, ça va vous apporter la sécurité, au sens de la sécurité physique, et en même temps, la sécurité au sens de la sécurité monétaire, avec l'euro. Donc, c'est important hein, de comprendre ça. Hein. Je vis pour décembre l'inauguration du temple de Salomon reconstruit. C'est pas impossible. Pas impossible. Après, ça va dépendre des événements qu'il y a actuellement en Israël. Hein. Est-ce que Netanyahou tombe ou pas? Est-ce qu'il arrive encore à s'en sortir une fois de plus? Est-ce qu'il y a des élections anticipées qui sont convoquées hein, parce que c'est marrant, vous hein, voyez hein, Angleterre, France, Allemagne, puis on va aller en Israël avec des élections anticipées. La main à la gauche israélienne, probablement, je veux dire. À voir. De toutes les façons, tout est suspendu à l'élection présidentielle américaine. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Tout le monde retient son souffle pour savoir. Parce que quand les États-Unis vont éternuer, tout le monde va prendre froid, hein, tout le monde va choper le Covid. Donc, c'est vrai que bon là, avec l'annonce du fait que ce ne sera pas Biden qui va se annoncer aujourd'hui, par hier, c'est la porte-parole a priori des démocrates hein, qui a annoncé que voilà, nous avons maintenant la confirmation d'un membre du Congrès. Il y a un rapport explosif. De toute façon, là, dans quelques jours, il va y avoir la convention démocrate hein, qui va avoir lieu. Et d'ailleurs, Biden, de toutes les façons, n'avait pas prévu de se déplacer physiquement, tout simplement parce que déjà, il n'en a plus la force. Mais aussi parce qu'il avait peur d'affronter les démocrates pro-palestiniens qui sont prêts à lui tomber dessus. Donc, déjà, il y avait une peur sécuritaire sur le fait que Biden se déplace physiquement à la convention du parti démocrate. Donc, moi, je vous l'avais dit, hein, Biden n'ira pas sur un deuxième mandat, c'est tout simplement pas possible. D'autres chefs d'État, maintenant, il est comme un bébé, hein, on est obligé de lui mettre un harnais avec une laisse, hein, si tu tournes la tête 2 minutes, bon, ça va qu'il a plus de 20 ans, il s'en mettre en 10 secondes, mais tu tournes la tête, l'autre, ça y est, tu l'as perdu, hein, donc il se rend bien compte que tout ça n'est plus possible. Par contre, c'est vrai que pour les néocons, hein, les faucons, ceux qui veulent la guerre, c'est un peu un problème, parce que à l'oreille du mendiant, tu vois, il y aura quelqu'un qui va arriver, alors ce sera quelqu'un, bon, moi je mise pour Michelle Obama à pleurer, même s'il va y avoir une guerre, hein, parce que ces messieurs risquent de ne pas apprécier que ce soit une femme qui prenne, donc il y aura une petite guerre interne, hein, histoire de voir où est-ce qu'on en est, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a aussi quelqu'un là qui est en train de capitaliser très très sévèrement aux États-Unis, c'est Bernie Sanders. Bernie Sanders qui a fait un coup de maître, hein, entre guillemets, mais en fait de toute façon il ne pouvait pas faire autrement de par sa ligne politique, quand il a dit Netanyahou va venir, parce que Netanyahou va pas tarder à venir là, au Congrès américain, et je d'ailleurs il vient le 24 juillet, là, veille des Jeux Olympiques, du début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Comme je l'ai dit, vous pouvez être sûr que Benjamin Netanyahou sera ovationné au Capitole. Hein, voilà, ça, il ne faut surtout pas en douter. Mais
annoncé qu'il n'était pas question qu'il aille ovationner un cliché, ni même l'écouter. Il ne faut jamais oublier que Bernie Sanders, c'est un juif uniquement pur, hein, clairement, mais seulement, lui, c'est un nostalgique des kibbutz, et il est communiste, en fait, hein, il est un parti communiste aux États-Unis aussi. D'ailleurs, lui, il est considéré comme extrême gauche là-bas. Et sa position anti-Netanyahou, le met en potentiel candidat d'une gauche américaine qui pourrait se rallier derrière lui si jamais Trump venait à avoir des sondages complètement hallucinants et avec la certitude qu'il serait réélu. C'est aussi un scénario qui est envisageable. Faut jamais oublier que c'est Hillary Clinton, hein, lors des dernières élections, au moment de l'élection, la première élection de Trump, qui a détruit Bernie Sanders, hein, parce qu'elle voulait absolument la place et qu'elle déteste Bernie Sanders en plus, hein, et qui a permis en fait à Trump de gagner assez facilement. Hein, parce que Bernie Sanders était normalement le candidat qui avait été choisi par les démocrates, même s'il est du Parti communiste, hein, mais ça reste un front populaire, en fait, hein, quelque part, un mini-front populaire, mais celui qui devait partir pour l'investiture contre Trump, c'était Bernie Sanders. Et les Clinton ont tout fracassé. Et toujours la même chose, le peuple de démocrates américains a voté pour Bernie Sanders, hein, puisque c'est ça, hein, les conventions c'est fait pour ça, hein, c'est pour désigner les candidats, et finalement, Hillary Clinton était arrivée sur la scène en disant « Non, vous avez voté pour Bernie Sanders, mais en fait on n'en a rien à foutre, ça ne sera pas Bernie Sanders. Allez hop, au revoir, merci d'être venu, merci d'avoir voté. » N'oubliez pas de payer votre cotisation, hein, ça serait dommage de louper un petit billet, histoire de faire vivre la démocratie, le parti et tout ça, et tout ça. C'est important, hein, de comprendre ça. La fréquence, je vous... pas cette page pour définir la pathologie gauchiste. Je n'ai plus l'idée qu'il avait dit ça, mais c'est tellement vrai. Être de gauche, c'est une maladie mentale. Et clairement. Je veux dire, déjà, humainement, on est tous de gauche. Tous, je me comprends. Car en fait, qui est trompé, en plus, là, qui vient se frotter à moi. Tu veux encore du pognon, c'est non, t'en auras pas. Même pas t'auras de missile. C'est pas le con dans la caisse, là. Bref, j'ai envie de dire, normalement, je dis bien normalement, je parle pas forcément des conditions d'aujourd'hui, mais normalement, aider son prochain, c'est écrit dans la Bible, hein, enfin, c'est normalement comme ça qu'on est éduqué. Mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Enfin bon, les parents, quand c'est de gauche, c'est non à la Bible, hein, c'est-à-dire aider son prochain, mais par contre tu prétends que tu vas le faire, et à tout prix. Hein. C'est une maladie mentale, oui, très clairement. Hein. Il suffit de regarder là ce qui se passe avec YouTube, les vidéos qui percutent sur Internet, mais c'est lunaire. Vraiment lunaire. Les mecs qui sont là, alors ça c'est hein, qui t'amuse à jouer avec la caméra, putain tu fais que t'es un branleur mon chat. Enfin, d'ailleurs vous voyez la queue de Zelensky. Alors il ne joue pas de piano avec lui, hein, par contre. Hein, il a essayé, mais non, ça marche pas. Donc il faut même aller jusqu'à corrompre des gens autour de soi et leur mentir pour les faire voter bien, en fait, hein, c'est-à-dire voter à gauche. Israël, voilà, ça je trouve très très dur. Alors, attends, j'essaye de voir s'il y a des gens qui ont mis un fil pour question.
J'essaye de pas descendre d'un coup parce que sinon ça nique les. Pas de soucis non plus, Brigitte. On dirait de Macron veut envoyer 20 000 soldats français et des réservistes supplémentaires pour aller au front russe. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est justement quand je parle des prophéties, puisque tu parles de l'armée française qui veut s'engager dans le conflit. Ce qui arrivera ultimement d'ailleurs, hein, même si pour l'instant on semble entier des résistances, c'est tout simplement, ça n'est pas parce que on ne veut pas y aller, c'est parce qu'on sait qu'on n'a pas encore les moyens d'y aller. Déplacer 20 000 hommes, hein, d'abord, bon, c'est à peu près tout ce que la France dont dispose la France, je parle en offensive, hein, avec une réelle capacité de combat. Le reste, c'est des serveurs, des cuites. Et des gens qui font la lessive, et puis surtout des chauffeurs de camions, et des gens qui vont charger ces camions, hein, en gros. Parce que la lessive, ne serait-ce que pour 20 000 personnes, mais vous imaginez même pas à quel point c'est compliqué. Donc en fait, on est là aussi, on est sur les bases d'un setup, hein, une configuration qui permet de soutenir une opération, mais tu ne montes pas ça en 6 mois, pas même en 1 an d'ailleurs, pas ben, 1 an, allez, 1 an tu peux le faire en 1 an. Donc regarde depuis quand Macron nous surine la petite chanson aux oreilles pour dire fallait aider les Ukrainiens, machin et compagnie. Et ça aussi, hein, je l'ai déjà expliqué, mais dans la stratégie, ne pas avancer trop vite, c'est pour toutes les raisons que j'ai déjà données ce soir, mais en plus ne pas trop perdre d'hommes, mais surtout ne pas affoler, parce que aujourd'hui peur aux Russes, hein. On est discuté avec certains, alors après c'est pas un ça semble, donc je n'ai pas tout le spectre de la pensée russe avec lequel je peux forcément débattre, hein. Mais bon, on va dire je fais un peu la moyenne, hein, de tout ça. J'essaye de rééquilibrer en imaginant ce que d'autres pensées pourraient donner. Et j'en arrive à quoi? À quelle conclusion? J'en arrive à la conclusion que aujourd'hui, si vous êtes un véritable stratège, j'ai arrêté le live. J'avais dit pas trop long, mais enfin il est quand même déjà 2 heures. Vous êtes un lion. Vous êtes un lion. Vous avez un troupeau de gazelles qui est devant vous. D'accord. Vous ciblez une gazelle. Vous vous lancez d'un coup à la chasse de cette gazelle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez disperser le troupeau. Le troupeau va partir un peu dans tous les sens. C'est en fait un moment extrêmement dangereux pour le lion, parce que c'est là où d'un coup une gazelle peut faire demi-tour et venir percuter le lion avec ses cornes et l'empaler. D'ailleurs, la plupart du temps, quand un lion lionne, parce que c'est pas vraiment les lions qui chassent, mais c'est plus les lionnes, se fait emballer, c'est à cause de ça. C'est parce que le chaos qu'elle a provoqué rend, il y a aucune prédictibilité sur quelle direction va prendre le troupeau. Non, ça part dans absolument tous les sens et tout ça va très très vite. Et là, les Russes, qui ont bien conscience qu'en face ils n'ont pas de rationalité et qu'ils ont que des fous en face d'eux, qu'ils soient illuminés ou pas, peu importe, ils ont conscience qu'ils n'ont affaire qu'à des fous. Les Russes ne veulent pas affoler le troupeau, parce que s'ils affolent le troupeau, bien ils prennent tout simplement que là t'es un connard qui appuie sur un bouton et qui fasse démarrer un conflit nucléaire ou une guerre de haute intensité immédiate. Ça, ils n'en veulent pas. Ça, ils n'en veulent pas. Vous voyez, même pour ça, faut remercier les Russes. Même pour ça, faut le remercier. Parce qu'en plus, ils nous ménagent. Mais ils nous ménagent pas parce qu'ils nous aiment, hein, bien évidemment. Ils nous ménagent parce qu'ils savent que dans cette panique, ils pourraient se faire blesser. L'armée russe pourrait se faire blesser ou les infrastructures russes pourraient se faire blesser. Salutations à tous les nombres injectés. C'est parce qu'aucune banque française ne voulait faire de prêt aujourd'hui. Quelle banque finance PRN? Alors,
de médiatisation de cette histoire, parce que en fait, le prêt que faisait la banque russe, je crois que c'est la Sberbank, ou RN, c'était complètement dérisoire en comparaison des besoins que le RN avait. Bon, effectivement, ils ont, et c'était effectivement comme tu le dis, hein, parce que les banques françaises refusaient, hein, merci la démocratie, encore une fois, hein, c'est la finance de qui fera quoi. Et à cette époque-là, le RN s'est rendu compte qu'il ferait rien du tout, zéro, hein, parce que si tu n'as même pas les moyens d'imprimer ton bulletin, bah, tu l'as dans le cul. Alors si tu demandes à tes adhérents, avec une imprimante, d'imprimer le truc et d'arriver avec, et là, de se retrouver dans une situation qui est déjà apparue pour de nombreux autres petits partis, c'est-à-dire que effectivement, ils n'avaient pas les moyens d'imprimer les bulletins, donc puisque tu l'imprimes de chez toi, et puis au moment du dépouillement, t'as quelqu'un qui contrôle le bulletin, puis qui te dit non rejeté parce que non conforme, et tiens dans ton cul. Alors, ça c'est le coup classique. Alors, ça ils y pensent pas. D'ailleurs en Russie, hein, tous les partis sont financés à la même hauteur. Il n'y a pas d'histoire de toi t'as un milliard, l'autre il a que 50 000 et compagnie, c'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est régulé, hein, il n'y a pas de... Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait prendre des cours un petit peu là-bas. Donc, encore une fois, hein, cette histoire avec les banques russes, hein, enfin avec une banque russe, hein, c'est plus en fait une histoire de sauvetage. Maintenant, que le FSB, les services secrets, on va dire un peu plus opérationnel à l'étranger, et pour accepter en disant ouais, de toutes les façons, à un moment donné, bon, ça mange pas de pain, et peut-être même qu'un jour ça pourrait représenter un levier, hein, pour plus tard, au cas où on doit négocier un jour avec des gens du Rassemblement National en rappelant que, et puis même ça peut aussi être un moyen de levier pour les faire chanter. Alors, le problème c'est que c'est pas les Russes qui nous ont fait chanter, c'est les Français eux-mêmes qui se sont fait chanter, hein, comme d'habitude. Toujours cette détestation de la France. Hein. Je vous rappelle, dans la bêtise là, du Front Populaire et compagnie, vous avez sur les banderoles, c'est marqué parti anti-France. Anti-France. Ça, c'est pareil, ça devrait être interdit. T'es anti-France, bah, va à Kharkov là-bas. Vas-y, pars maintenant. Il n'y a pas de souci. C'est grave, c'est vraiment très très grave en fait, en réalité. Donc aujourd'hui, je pourrais pas te dire quelle banque finance. Peut-être une banque marocaine, hein, c'est possible. Je n'en sais strictement rien. Je me suis pas du tout intéressé à la question. Je pense qu'on pourra retrouver allègrement au moins BNP Paribas, Société Générale. Ça, c'est quasiment sûr. Pour la simple et la bonne raison, c'est que eux, ils ont ordre, hein, quelque part, de financer, même si c'est pas complètement. Parce que encore une fois, dans l'illusion de la démocratie et toutes ces conneries là, de la République, l'idée n'est pas d'avoir un système totalitaire complet. Tu dois laisser cette illusion. C'est ce que faisaient les Israéliens avec les Gazaouis. Quand ils autorisent, ils savent qu'il y a 100 000 personnes qui ont besoin de manger et qu'ils autorisent seulement 150 camions par jour à rentrer. Il y a un médecin militaire israélien qui avait dit on va calculer à la calorie près pour faire en sorte que les Palestiniens ne meurent pas de faim, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en dessous du seuil de malnutrition, mais ils ne sont pas en bonne santé non plus. Donc tu ne peux pas les accuser de les avoir affamés, parce que tu leur as donné, mais alors vraiment le strict minimum, hein, à la calorie près. Mais par contre, ils n'auront pas assez de force pour aller combattre. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, tu dois faire croire que
voilà, que tous les partis sont là, qu'ils ont tous les moyens de venir se battre dans la grande arène de la démocratie. Bah, le problème, c'est qu'il y en a qui sont financés par Bouygues, qui vont mettre 25, 30, 40 millions d'euros dans la campagne. Et puis après, bah, t'as le petit parti. Oui, il est là, physiquement, il existe. Il est référencé, il a le droit de venir, mais bon, il a un budget de 3 000 balles, lui. T'as compris qu'il y en a qui vont se taper du foie gras, et d'autres, ce sera des merguez de chiens, hein, même pas des vrais merguez. Donc après, effectivement, on peut pas dire. C'est comme cette arnaque magistrale qu'ils ont fait avec les médias sur la campagne européenne, en disant non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre des émissions de débat avec tous les candidats. De toute façon, il y avait au moins 30, plus d'une trentaine de partis. Tu te rends compte, un débat avec 30 partis, bah, en fait, ça devient un green bloc, hein, quelque part. C'est, en fait, c'est un truc qui dure 8 heures. Il y a peu de gens qui sont capables de supporter ça. En fait, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est de la consommation rapide. Encore une fois, ils prennent un journal, ils regardent le titre. Ça y est, ils ont tout compris. Hein. Ils ont vu que le titre, ce qui est écrit en bas dans l'article, s'en battent les couilles. Mais, un tel est dopé. Hein. Bon, si après, dans l'article, c'est écrit, oui, mais il a été dopé parce qu'il y a eu une erreur médicale, on s'en bat les couilles. Le mec, il va propager partout. Ah ouais, t'as vu un tel, il est dopé. Personne ne va s'intéresser au fait que c'était juste un accident ou une erreur médicale. Rien à battre. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va les faire passer 7 par 7. Ah, donc, tu avais 7 parties qui s'affrontaient. Mais encore une fois, c'est comme dans Game of Thrones. Si tu prends pas les deux plus grosses familles et que tu les fais pas s'affronter, ou que tu les mets. Mais ça fait un peu comme quand la Coupe du Monde de football, en général, le gagnant de la Coupe du Monde, bon, déjà, il n'a pas les qualifications à faire. Hein, donc, tu as déjà un pied, j'ai envie de te dire, au moins en quart de finale, hein, quelque part. Parce que tu passeras les poules, parce que la poule, en règle générale aussi, il y a que quand ça tombe en France, quand on se prend le Brésil, hein, tu vois, dans les phases qualificatives. Mais la plupart du temps, la poule du vainqueur précédent, c'est une formalité, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. En fait, on a mis, par exemple, oui, Philippot, Lubert, donc des souverainistes entre eux qui se sont affrontés entre eux, hein, sur le plateau. Par contre, il n'y avait pas de En Marche, il n'y avait pas de RN, il n'y avait rien du tout. Et puis après, on fait une soirée avec les sept plus gros, hein, c'est-à-dire les sept qui comptent. Les autres, ils n'existent pas. Et à la fin, bah, ça te donne les résultats qu'on a eus. Voilà. Allez, j'avance un petit peu. Ah, je sais pas si je suis toujours au top, Valentin. On va dire que j'essaye de garder un cerveau fonctionnel. Malheureusement, ouais, c'est compliqué. Salut, Alunaki. Les Arabes ont bu de la bière avant l'islamisation. Bah, je vais te dire un truc, ils continuent à en boire même après. C'est un secret pour personne. Alors, est-ce que Reza, je vais répondre à Reza. Ne penses-tu pas que la première cible de la Russie pourrait être l'Allemagne par rancune? Non, absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, il y a une tentative actuellement d'émancipation des Allemands via l'AfD. Faut rappeler un contexte historique. La Première Guerre mondiale naît du fait que l'Empire, qui n'est pas encore américain, mais qui est l'anglo-saxon, et donc l'Angleterre, n'a qu'une seule peur, c'est de voir allemand, le génie en parlant métallurgie, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, hein, tout ce qui est des innovations technologiques, rencontrer la puissance industrielle russe. Le jour où ces deux pays se mettent ensemble, il n'y a rien qui peut les arrêter. Bon, ça c'était vrai avant. Enfin, c'est parce que c'est vrai que
L'Allemagne, comme tous les autres pays aujourd'hui, va perdre en compétences, bah, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'industrie, donc elle ne pratique plus, ne forme plus, et si tu ne formes plus, bah, à un moment donné, tu es obligé d'aller dans un autre pays pour chercher la qualification que tu n'as plus. Là aussi, je vais vous raconter une petite histoire, qui concerne d'ailleurs un peu ma famille. Hein. Vous savez que ma famille, bon, on est alsacien d'origine, mais ma famille a migré en Bourgogne, en fait, hein, à un moment donné. Et on avait une entreprise qui était un fleuron, hein, de technologie, de puissance industrielle. Hein. Littéralement, c'est une entreprise qui s'appelait Creuse-Loire Industrie. Creuse-Loire Industrie, c'est eux qui faisaient, ils ont fabriqué des chars, ils ont soutenu l'effort de guerre pendant la première, pendant la deuxième, ils ont participé à toutes les reconstructions. Enfin bon, c'était vraiment c'était le premier bassin d'emploi autour du Creusot, à Mont, Chalon, Dinan, à toute cette zone, hein, de la Bourgogne, en dessous d'Auxerre, hein, au sud d'Auxerre. Il a été décidé que voilà, c'était plus rentable. Donc à la fin, ils étaient spécialisés dans la création de cuves, des cuves pour du pétrole, pour tout, pour des cuves, quoi, voilà. Et il faut savoir que c'est un métier très très particulier parce que faire des cuves, c'est pas simplement plier de l'acier, plier des tôles et compagnie. Il faut savoir souder. Et là, nous avions une excellence absolue là-dedans. Mitterrand a complètement démonté Creuse-Loire Industrie. Il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus de commandes militaires. Donc, vu que c'était une partie du composant, hein, pour l'assemblage des matériels, il n'y avait plus rien. Donc, on a commencé à liquider d'abord les salariés, et puis ensuite, on a commencé à liquider les cadres, et puis après, on a liquidé les ingénieurs du bureau d'études. Bon, à la fin, la direction s'est liquidée elle-même. Voilà. Ça, on est fin des années 80, milieu des années 90. Vers 2000, 2002, enfin, ou 2003, d'un coup, je ne sais même pas si c'est Sarkozy, ou sinon, ça devait être encore Chirac. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Enfin bon, il est décidé qu'il faut ressusciter, Creuse-Loire Industrie, parce que d'un coup, on se rend compte que, ben, on se rend compte qu'on fabrique plus rien. Voilà, tout simplement. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a été voir les anciens salariés, et attention, hein, parce que moi qui étais sur place à l'époque, hein, j'avais de la famille qui travaillait chez Creuse-Loire Industrie, il faut voir comment ils ont été virés et dans quelles conditions. Hein. Là, il n'y avait pas de la rose, Mitterrand, c'est bien, la solidarité et compagnie, ils ont tous été virés comme des chiens. Et là, vous avez, à l'époque, hein, c'était des gens qui émanaient de la préfecture du coin, là-bas, je crois que c'était Dijon, qui commençaient donc à sillonner la ville. Vous allez, vous prenez le Creusot. C'est pas compliqué, hein. C'est simple, c'est une espèce de grande route qui passe. Avant, c'était que des magasins, c'était super vivant. Maintenant, c'est, vous avez l'impression, vous savez, les villes dans le Far West, là, vous savez, vous avez le truc là qui roule là, avec le vent, il n'y a plus rien. Ça a été une grosse, d'ailleurs, le Creusot, ça valait absolument plus rien. Hein, donc déjà, ça, tous les gens qui avaient investi, qui avaient fait construire des maisons parce qu'ils bossaient pour Creuse-Loire, ils ont tous été rincés, mais rincés de chez rincés. Les indemnités, tiens, donc, vous inquiétez pas, on va faire des plans de reclassement. Tu vas reclasser quoi? Il y a que des paysans et Creuse-Loire Industrie, ou des vignobles, parce qu'on est dans le Bourguignon. Et tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Et puis à l'époque, l'industrie informatique n'était pas là, enfin, Pierre, c'est tout un... Il n'y a plus rien. Bah bon, ils ont tous été lâchés comme des animaux. Je m'excuse de ne pas marcher. Ils ont été les chercher. Enfin, ils ont été recherchés ceux qui étaient encore vivants. Hein, ils sont arrivés la bouche en cœur, en frappant chez les gens, en disant, expliquez-nous, est-ce qu'on veut, ressusciter Creuse-Loire Industrie, est-ce que vous voudriez bien revenir, bon là, il y en a, ils ont failli prendre des coups de fusil. Hein. Mais ces gens, on dit, allez tous vous faire
parler, là, vous pouvez les ranger dans vos cul. Vous dégagez. Point barre. Donc, du coup, personne pour travailler, aucune compétence pour faire, pour relancer Proche de Loire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été en Pologne, hein, et on a été chercher des soudeurs professionnels en Pologne, qui sont d'ailleurs particulièrement moyens en comparaison de ce qu'on faisait, nous. Et c'est eux qui ont reformé une génération de soudeurs. Ça a duré, je crois, 10 ans, et on a refermé Crozoloir Industries parce que ça n'était pas, parce que c'était pas rentable. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est la manière dont, et d'ailleurs, Montebourg, c'est parce que c'est sa circonscription, hein, ben, il a jamais ouvert sa gueule, hein, sur l'affaire Crozoloir Industries. Moi, je vous invite à aller suivre un peu, par les articles de presse, machin et compagnie. Vous allez comprendre que ça a été un véritable désastre, désastre industriel. Ah ouais, moi aussi, la résistance, bien évidemment, que les Dom-Dom doivent, ils doivent prendre leur indépendance, voilà, point barre, terminé. Ou au moins être sur le système tahitien, hein, polynésien. Je vous rappelle que à Tahiti, il y a un président qui est élu, hein, il y a un parlement, il y a un président. Alors bon, il reste quand même sous la tutelle française, mais on va dire en termes de loi, c'est eux qui gèrent. Mais bon, le problème, c'est que là-bas, on a rendu les choses tellement, tellement compliquées, tellement chères que malheureusement les Tahitiens crèvent de ces conneries, hein, littéralement. Wilshere, Zelensky, il a grandi chez Crocadra, putain, je peux même pas te dire combien de fois on a fait de conférences de paix, là, dans la journée, parce que tu... Ah, voilà. Ouais, bonne nuit, puis dors bien. Alors, le double king, le mat, le vrai, je suis pas petit, tu vois. Bon, allez, j'essaye de descendre un peu plus vite. À ton avis, la guerre mondiale va débuter quand en France et en Europe? Ah, ça, Brigitte, c'est toujours la même question. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est le problème que l'OTAN a eu. C'est-à-dire que l'OTAN, quand il pense la guerre, il la pense de manière otanienne, pas de la manière russe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'OTAN est particulièrement énervé, c'est parce qu'il pensait que les Russes allaient faire ce qu'ils faisaient à l'époque de l'Union soviétique, c'est-à-dire la méthode sanglier, hein, on appelait ça la méthode sanglier, c'est-à-dire je baisse la tête et je rentre dans tout ce qui est devant, et puis après on verra s'il y a des morts et des blessés, et on verra ce qu'on peut... Mais moi déjà, quand je suis parti, la première manœuvre que j'ai fait avec les Russes, hein, entre le moment où j'étais dans l'armée française et après le moment où j'ai été dans d'autres armées, même si c'était des passages relativement courts, hein, je le rappelle, hein, j'ai pas une carrière de 20 ans de militaire, hein, ben dans l'armée ou dans les armées, parce que moi j'ai servi dans plusieurs armées. Déjà à cette époque-là, hein, donc on est au début des années 2000, la doctrine russe avait complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, un soldat blessé, bon bah, la tienne Dieu pourra, Dieu pour toi si tu survis. On termine d'abord la mission et on vient regarder si tu es encore vivant quand nous on revient. Tu vois, en gros c'est un peu ça. Moi j'ai connu ça et on est passé à attention, on a un blessé, il faut l'évacuer. Alors au début c'était pas en méthode comme nous, hein, parce que faut comprendre que nous quand on a un blessé, c'est EvaSan, hélico, véhicule d'évacuation, c'est un cauchemar logistique en fait, en réalité. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de morts en Ukraine, c'est parce que ce cauchemar logistique n'a pas pu être résolu. C'est trop de ressources pour sauver des gens qui sont peut-être déjà de toutes les façons pas sauvables. Donc, et là, les Russes ont commencé à dire non, non, nous, c'est terminé, le temps où on chargeait comme des sangliers. On gagnait, hein, c'est sûr, mais bon, à quel prix, encore une fois. Et ce qui a perturbé complètement les plans de l'OTAN dès le début, c'est que l'OTAN était persuadée
que les Russes allaient foncer comme des ânes. Effectivement perdre énormément de matériel, énormément d'or, d'hommes, et à ce moment-là, l'OTAN pourrait intervenir avec une Russie particulièrement affaiblie. Et ça les a rendus quand ils sont vus. En fait, ils se mettaient sur des lignes défensives et qu'ils s'étaient passés en mode hachoir à viande, parce que c'est littéralement comme ça qu'on appelle ça dans le jargon militaire. Alors, c'est le meat grinder, je sais que son nom est nord-américain. Et ça, ça les a rendus fous parce qu'ils ne comprenaient pas les mecs qui sont les plus narratifs, puisqu'ils expliquaient à tout le monde que venir des place Vendôme à Paris. Sauf que les mecs, quand tu prends une photo début de mois et tu reviens le mois d'après, ils sont pas couchés, ils sont toujours au même endroit. Et ça les a rendus complètement. Et donc, en fait, aujourd'hui, tout va dépendre. C'est plus, en fait, c'est plus Poutine qui est le calendrier. De toute façon, le calendrier, il en avait strictement rien à foutre. Ça a toujours été la position que j'ai défendue, même si au début, moi aussi, je pensais que les Russes allaient en terminer. Moi, c'était plus pour des raisons de politique interne. Parce que c'est vrai que c'est quand même très agréable quand tu es dans un pays qui est en guerre, c'est quand même agréable de perdre ses amis, ses enfants, ses ancêtres. Enfin bon, bref. Bon, ils l'ont pas fait. C'est là que j'ai compris qu'ils allaient passer. Ils allaient en fait passer en mode je fais un bon, je vais soutenir toutes les troupes ukrainiennes, je les prends sur place. Quand j'ai terminé cette zone, eh ben, je vais sur la suivante, je refais une ligne de défense, qu'ils sont en train de faire à Kharkov, hein. Là où ils avaient avancé, ils sont avancés de quelques kilomètres, dès lors, ils sont ouais, déjà les engins qui vont les trancher, hein. Ils sont déjà en train de refaire une ligne défensive, parce qu'ils savent que les autres vont venir s'écraser dessus. Donc en réalité, aujourd'hui, là, c'est nous qui sommes les détenteurs, de dire des clés du temps hein, pour décider quand est-ce que en réalité quand Poutine dit le président qui a été réélu en germe quand il dit pour 8 ou 3 ou 4 mois la guerre officielle. Je parlais de la folie de l'OTAN.
parler de la politique. Voilà, enfin, je vais y faire revenir, excuse-moi, je suis enceinte, je suis un peu fatigué là, quand même. Je vais revenir là-dessus. Voilà, je disais, en fait, je leur ai expliqué gentiment, hein, évidemment, parce qu'il y en a certains, effectivement, qui disaient, mais non, la rationalité va revenir, ça va s'arrêter. Et moi, je leur disais, non, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, vous avez des gens, vous montrez une vidéo, bon, c'est pas ça, parce qu'il va y avoir des droits d'auteur dessus, ça va être chiant. C'est un marine américain qui brûle son uniforme. Mec, il a, comme il dit, hein, il va donner 12 ans de ma vie au service actif, et parce que il y a une personne qui a violé sa propriété, hein, qui s'est installé sur sa propriété, il va simplement demander de partir. L'autre, elle a appelé 911, et elle a fait croire que l'autre était en train de lui courir après avec un couteau, alors qu'il n'y a rien en plus, le mec, il donc, il n'y a rien. Mais malgré le fait qu'il n'y a rien, il a été condamné. Il a été condamné quand il a pris son uniforme, il l'a mis sur un truc là pour casser des oiseaux, là, il a mis que voilà. On en est là. Et dans là, beaucoup d'Américains, ils n'ont même plus de quoi bouffer, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Et on leur a dit qu'on a dépensé plus de 300 milliards, les Américains ont dépensé plus de 300 milliards dans cette guerre en Ukraine. Alors même si une partie de cet argent revient au complexe militaire industriel. Le complexe militaro-industriel, c'est un état dans l'état, hein, donc ça ne ruisselle pas dans le reste de l'économie américaine. Et aujourd'hui, tous les hommes politiques ne peuvent pas venir dire, bon, mais si voilà, on s'est demandé. Encore, hein, je vous dis, prenez le temps de lire le rapport de Rand Corporation, là, que je vous ai mis, hein, qui donne dès 2019 tout ce qui va se passer, comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire, même si, comme je l'ai déjà expliqué, leur postulat de base était faux, donc le plan qu'ils ont mis en place, c'est de la merde, évidemment, mais ils ont tellement suivi à la lettre, qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Les gants aux États-Unis font un peu plus méchant que les Français, hein, ça très clairement. Là, il y a des gens qui vont prendre des flingues, et ça ne va pas être simplement pour aller faire la fête au Capitole, ça va être pour tous les désinguer. Ils le savent, leurs têtes sont sur les guillons. Là, c'est tout simplement question d'avoir fait une petite erreur politique. Voilà, on devait construire une usine là. Bon, finalement, vous m'avez dit pour ça, mais ça n'arrivera pas. Là, non, là, on parle de gens qui ont été littéralement ruinés. Le dollar ne vaut plus rien. L'inflation actuelle, là, aux États-Unis, je dis, il faut que le 10 ans est passé à 5%. C'est pareil, c'est le game over. Carton d'inflation. Vraiment. Ils ne savent pas comment faire. Et là, les Américains, tu vois, ils commencent à monter, ils ont des abeilles, hein. C'est clairement. Alors, certainement plus les républicains que les démocrates, mais le républicain prendra les armes. Très clairement. Donc, encore une fois, ils sont trop loin pour revenir en arrière. Même chez nous. Ils vont dire quoi? L'autre, il va dire, attends, mais t'as filé 20 milliards à l'Ukraine, et t'as pas été de sauver un hôpital, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Alors, il est parti. Là où, si on prend les États-Unis, donc, parti républicain, parti démocrate, il y en a aucun qui relève de ça. Aucun. Aucun. Mais surtout quand il te serre la main pour envoyer de l'argent là-bas, pour placer les États-Unis littéralement en état de guerre. Ils ont poussé le contrôle. De toute façon, ils sont dans l'application d'un plan. Je reviens toujours. Hein. Putain, mais c'est la polio, hein, c'est vrai. En fait, pour lesquels. Enfin, je sais pas si c'est la connerie ou si c'est la polio. Donc, je suis à moitié aveugle parce qu'il fait nuit. Et dans ma tête, je suis en train de me dire non, c'est pas grave, je vais prendre le briquet pour allumer pour voir où il est. Ben, il est par terre. Ça marche pas. J'ai l'impression d'être un politicien américain. Donc. Mais heureusement, plan B, hein, dans la poche. Je reviens sur ça, ça a été trop loin, beaucoup trop loin. Sans compter qu'en plus, même, allez, on va faire un nouveau scénario, l'OTAN reconnaît sa défaite, hein, voilà, tout simplement.
capital et son alors pas son inexistence, les Russes n'ont aucun intérêt à faire disparaître l'Ukraine. Au contraire, ils ont besoin de l'Ukraine pour faire un tampon entre leur véritable frontière et les armes de l'OTAN. Mais admettons, tout le détend, les armes nucléaires sont rangées. La problématique, c'est qu'il y a plus de guerre. En fait, on sera sur une guerre larvée en permanence. En fait, on va créer un abcès qui va gonfler. Parce que reconnaître sa défaite, c'est une chose, et aller reprendre des relations diplomatiques normales avec la Russie, et donc retourner dans le concert mondial des nations pour le commerce, pour toutes ces choses-là, c'est mort. C'est mort. Dans tous les pays qui veulent rentrer dans les BRICS là aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui posent comme condition jamais les gens qui viennent d'être dans les BRICS. Donc en gros, ils sont simplement, vous savez, les bases américaines sont entourées d'une partie de la Chine et de la Russie. Et en fait, les pays G7 vont entourer, enfin les pays des BRICS, pardon, vont entourer le G7 et l'enfermer dans son G7. Et donc en fait, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va devenir contrevenant. Hein. C'est ce qu'on n'aura plus le droit de participer à rien. Et donc on va être plus entre nous. Hein. Et puis ce qui va en sortir n'ira pas à l'école, hein, c'est bien connu. Et on va disparaître. Donc dans tous les cas, ça se passe mal. À moins qu'effectivement, on peut prendre le pouvoir. Hein, en miracle, on arrive à faire ça. Alors oui, là, moi, effectivement, je vais rétablir l'ordre tout de suite. Parce que moi, c'est les Américains dehors, ils partent en 24 heures. Vous avez 5 minutes. Dégagez. Interdiction des eaux internationales françaises, enfin, des eaux nationales françaises, interdiction de survoler la France. À plein de temps, tu peux monter les coûts de tout leur transit. Hein, impossible, hein. C'est clair, et immédiatement tu vas d'abord t'écouter auprès des Russes, hein. et sans baisser le frein, en disant vas-y, Vlad, tu me l'avais tellement je t'aime, non, en disant la France va retrouver la place qu'elle avait dans le concert des nations, elle doit déjà de toute façon se passer néocolonial. Colonial et néocolonial, ça c'est la première des choses. Elle doit reprendre des relations normales avec la Russie et y compris aussi avec l'Afrique. Hein. Et sur une condition de la coloniale et de l'armée à papa. Là, hein, comme ça. Alors ça marche tant mieux, ça marche pas, bah, au moins on peut essayer. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les relations entre finalement l'Est, hein, le continent eurasiatique, Proche-Orient, Moyen-Orient, Afrique, une partie de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud aujourd'hui, ne veut plus rien avoir à faire avec l'Occident dégénéré. Et l'Occident dégénéré, c'est le G7. C'est un peu le Japon. Alors le Japon commence à réfléchir, lui aussi. Hein, il commence à dire, le Japon ne produit plus rien. Ils assemblent des produits, mais ils ont besoin de la Chine, ils ont besoin de la Corée pour avoir les composants individuels qui vont arriver au Japon et qui vont être réassemblés au Japon pour te faire sortir, je ne sais pas, un téléphone, un ordinateur. Mais ils ne produisent pas les composants électroniques sur place, ils n'en ont pas les moyens. Donc, même eux vont se dire à un moment, c'est-à-dire en fait, du G7, on va passer au G7. Il dirait que le Japon, ils sont maintenant un peu les couilles, tu vois, du Japon, ils savent que c'est la prostituée des États-Unis, ils savent si tu as la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Russes, hein, même s'il y a un conflit dans les plus horribles, et tout l'embête de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est quelque chose qui s'adapte assez bien, enfin, assez facilement, hein, je pense que pour mettre la nique aux Américains, pour tout, je pense que les Russes seraient capables de négocier effectivement quelque chose de solide avec les Japonais. Bon, les relations entre l'Afrique et le Japon, moi qui beaucoup
dans les ambassades. Ah, voilà, le Japon est plutôt bien vu. Il n'y a pas d'animosité particulière. C'est pas comme quand tu arrives avec ton drapeau français et tu dis, je voudrais mettre une ambassade chez toi. Ben, maintenant, ça marche. Donc, encore une fois, compliqué de définir une date pour une guerre mondiale. Mais de toutes les façons, même si elle a du mal, maintenant, c'est ça en fait le postulat de ce que. Je vous donne
avait parlé, hein, cette personne, en fait, que par exemple, voilà, Ben Gourion, hein, c'était pas son vrai nom, c'est Brune. Brune, ça sonne quand même vachement allemand. Et donc, encore une fois, faire croire que ces gens sont nazis, sont des sémites, sont des gens qui ont toujours été là par le nom. Alors qu'en fait, non, c'est que des Khazars, c'est que des gens d'Europe de l'Est, c'est des Ashkenazes, en fait. Et donc, ils ont tous modifié leur nom pour prendre des consonances. Et j'arrivais pas à vous retrouver la vidéo. Et ben voilà, je vous la mets pour terminer. Terminer ce live. Allez, je m'en vais, mais c'est pas grave, vous mettez des sous-titres. Et puis terminer, hein, vous l'aurez en français. Quel intérêt de Nocturne, c'était vraiment aussi simple. Hein, pourquoi tu poses cette question quand tu. Vous savez, il y a des gens là, qui ont dit, par exemple, pour les partis souverainistes comme Philippot, ils ont dit non, c'est pas possible, ils ont fait 1%. Il y a eu Borage Dur, machin, pareil, il y a eu un détournement de bulletin, c'est pas possible. Moi, je pense que c'était des vrais chiffres. Hein. Parce qu'encore, tu vois, ça correspond aux 18 000 personnes, 18 000 likes dans les Sabertiennes. Mais sur 67 millions, ça fait ça, très clairement. Allez, bonne nuit à tous mes copains, allez dans la paix du tourisme, bien évidemment. On se retrouve, j'ai envie de dire en cas d'échoue forêt, hein, si jamais il y a match. Bon, bien évidemment, s'il y a le match Call of Duty, Bardel, là. Live en direct pour commenter les actions du commando Barbella versus petit Finous. Et puis on rigole. Allez, reposez-vous bien comme d'habitude, ressourcez-vous énergétiquement parlant, même si les nouvelles sont mauvaises et compagnie, en fait c'est pas ça qui compte, c'est pas qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Simplement de dire le combat avance et je pense que j'espère, enfin ouais, je la pensée, bah, ça va être dur, enfin, on va en perdre, peut-être même y compris nous tous, mais à la fin, je pense que ça en aura valu. Allez, des bisous, faites pas les coups, reposez-vous. Allez, on termine. Contender eliminated. Rockets. Cannon. Race complete. Gold medal awarded.